On la connaît bien dans le milieu parce qu'elle a joué avec Ariane, avec Steffi justement, avec le groupe Carquois aussi. Elle lance son premier album cette semaine, Marie-Pierre Arthur. Elle est très connue et très estimée dans le domaine de la musique. Elle a fait la première partie d'Ariane, a chanté sur l'album de Carquois avec Steffi aussi dans le milieu. On la connaît sous le nom de Marie-Pierre Fournier, mais au niveau artistique, elle s'appelle Marie-Pierre Arthur et l'histoire est assez jolie d'ailleurs. Ça vient de tes origines? En fait, ça vient de toujours. Par chez nous, on m'appelle toujours la fille à Arthur, la fille d'Arthur. Les fils sont les fils d'Arthur, la femme de, c'est comme ça. Et chez vous, c'est charmant, où ça? C'est charmant, oui. Oui, je trouve ça attachant. Et c'est où chez vous? Grande-Vallée, Gaspésie. Grande-Vallée. Et tu dis que jouer de la basse... C'était chez nous. Dans le temps. J'y retourne, puis c'est encore comme ça. C'est encore Marie-Pierre Arthur. Et tu dis que chez vous, justement, une fille qui joue de la basse, c'était pas si rare que ça. Pas du tout. Tous les gars voulaient faire des solos de guitare. Il restait juste des filles pour jouer de la basse. Il y en a plein. Il y avait juste ça, des filles qui jouaient de la basse dans mon village. Ta chanson s'appelle « Pourquoi? D'où elle est née? De quelle inspiration? » C'est des petits moments un petit peu tristounets, là, quand on a l'impression qu'on n'a plus trop de contact avec son intuition, puis que les décisions deviennent lourdes un peu à prendre. Voici donc cet extrait du premier album de Marie-Pierre Arthur. Les nuits étranges m'observent et restent là, accrochés en haut de mon toit, se moquent de moi. Encore une fois. Jour de pluie se dessine, imposant leur triste routine. La carcasse lourde frôle l'inutile, trop fragile pour te faire signe. Et mon sourire s'en va. Chercher quelque chose.